objectif des croquettes est de et d'aider à gérer certaines pathologies. Le poids, la prise en charge du poids, la prise en charge de pathologies digestives, la prise en charge de pathologies, en particulier chez le chat, de problèmes urinaires, calculs et ou cystites. C'est un métier qui est un métier de vocation. On essaye d'être le plus efficace et le plus professionnel possible pour pouvoir répondre à la demande de tout le monde, des animaux et de leurs propriétaires. J'ai 22 ans et je me suis mis au sport depuis 2 jours, comme ça tout le monde le sait. Et aux animaux depuis? Ah, depuis que je suis née. D'accord. Et je suis née avec les bêtes. Au bout de la première seconde? Ouais, j'ai vu ma mère. Donc nous allons vacciner ce chiot pour la deuxième fois. Il s'agit d'un rappel de vaccin à 3 semaines post-première injection. Voilà. Tu peux me raconter une journée ici avec Jean-Luc Dumas, ton patron, le vétérinaire. En un mot ou pas, parce que sinon je dis speed. En autant de mots que tu veux. Non, avec Jean-Luc, c'est super de travailler avec Jean-Luc. Il aime les bêtes, il est très concentré, il a beaucoup de mal à décrocher de son boulot par contre. Le matin, on fait les chirurgies. Donc ce matin, on a fait Payette, qui a une hernie ombilicale. On a fait une vasectomie sur un chien, on a fait 3 castrations. Une stérilisation d'une fifille. Et oui, la journée est intense. Dites-moi. Une urgence. Bon, il y en a combien? 8. Voilà, une prise simple, prise de rendez-vous, pas d'urgence comme c'est souvent le cas. Et voilà une consultation qui s'achève. La salle d'attente est pleine à craquer. L'aspect rural, ça me plaît beaucoup. Le lieu Saint-Rambert aussi, c'est un endroit que j'aime bien. Enfin, le coin, j'aime beaucoup. Les gens ici, je trouve, sont sympathiques. Voilà, je retrouve un petit peu ce que j'ai connu dans mon enfance, en fait. Donc venir au quotidien pour m'occuper d'eux, c'est... Voilà, c'est quelque chose de spontané et naturel en fait. Travailler dans une petite équipe, je trouve ça super intéressant.